On vous entend très bien. Parfait. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les élus, en fait, à l'orée de cette fin de mandature, nous tenions à travers ce rapport à rappeler la position du groupe Rassemblement National sur les parcs naturels régionaux qui n'a en fait jamais changé. Les PNR sont assurément un excellent outil pour aménager le territoire et protéger à la fois les hommes et les paysages des effets pervers de la mondialisation et de la métropolitaine. Mais dans le même temps, nous n'avons jamais cessé de dénoncer les trois points suivants. D'abord, l'énorme complexité de cette organisation. La protection de la nature mérite bien mieux que ces usines à gaz qui permettent en fait de satisfaire des besoins électoralistes. Ensuite, pointons du doigt la trop forte part des dépenses de fonctionnement, dépenses qui sont selon nous souvent inutiles, eu égard aux attentes réelles des territoires concernés. Pour rappel, moins de 15% du budget régional des PNR est consacré à l'investissement. Enfin, soyons lucides, ces structures sont gangrénées par des idéologues fanatiques de l'apocalypse, des Khmer verts, comme nous aimons aussi justement les nommer, qui sont complètement imperméables aux réalités de la ruralité et qui mettent dos à dos l'homme et son territoire, territoire pourtant qu'il a façonné et valorisé au cours des siècles. En outre, concernant les rapports qui nous sont soumis aujourd'hui, nous n'avons cessé de rappeler l'indépendance des maires et des communes. La démocratie communale est selon nous le fondement même de notre République. Donc dès lors, si la commune Sainte-Colombe souhaite intégrer le parc naturel du Pilat, dont acte. Mais a priori, cela ne semble pas être le cas de trois autres communes intégrées dans le nouveau périmètre d'études de la charte du PNN du Pilat pour 2024-2039. À partir de là, nous ne pouvons qu'émettre des réserves sur l'engagement de la procédure de révision de la charte. En outre, la volonté d'intégrer en partie des communes métropolitaines telles que Givors, Annonay ou encore le Chambon-Feugerolles montre la volonté de l'exécutif de transformer ce PNR en courroie de transmission des pôles urbains administrant leurs terrains de campagne. Mais ce phénomène de métropolisation met à mal le respect de la ruralité et des identités locales qui n'y sont pourtant si chères et qui va à l'encontre de la philosophie des PNR, nous le rappelons, qui devrait justement permettre de lutter contre les désastres de la société mondiale. En 2018, Monsieur le Président, vous avez prôné, je cite, « un nouvel élan pour nos parcs naturels régionaux ». Mais où est ce nouvel élan dans les rapports que vous nous présentez aujourd'hui? Sans doute, les succès électoraux récents des écolos vous a fait revoir votre copie et vos élans de réforme. Cette dépendance, en fait, que dis-je, cette soumission, est particulièrement prégnante dans l'avant-projet du PNR, du Vercors que vous nous présentez aujourd'hui. La sémantique elle-même est révélatrice. Franchement, il ne manque plus que l'écriture inclusive. Quant au fond, je ne sais plus si vous m'entendez encore. On vous entend encore, Madame Coativi. Parce que là, je ne vois plus rien. Quand on fond les 18 fiches mesures qui composent cette charte, jurent par leur excès et la dénaturation de la réalité. La réalité, celle partagée par une majorité des Français, est celle-ci. Oui, qui mieux que l'homme peut protéger son territoire. Oui, la France émet 20% de gaz à effet de serre de moins que la moyenne européenne. Oui, les Français adhèrent aujourd'hui plus au principe du localisme qu'à celui du mondialisme. Et oui, les Français voudraient plus de fraternité et moins d'immigration. Et Monsieur le Président, arrêtez de faire vôtre cette citation de Voltaire. Montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Alors, confiez ainsi la rédaction de l'avant-projet engageant le PNR du Vercors pour les 15 prochaines années à des fanatiques de l'apocalypse qui n'ont plus aucune confiance dans l'être humain, est un pari électoraliste dangereux quand on sait jusqu'où les écologistes sont prêts à aller une fois aux manettes. Nous sommes déjà tombés de haut depuis un an et je pense que nous n'avons encore rien vu. C'est pourquoi nous demanderons un vote par division. Nous voterons pour les points 1 et 3, mais nous nous abstiendrons sur l'ensemble du point 2, à savoir les chartes des PNR, du Vercors et du Pilat. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Coativi, pour cet exercice d'explication de pédagogie politique. Madame Riamon, pour le